Est-ce qu'on peut prendre nos bibles? Et nous debout tous. Let's turn the book of Matthew 25. From verse 1. Alors le royaume des cieux sera fait semblable à 10 vierges qui ont pris leur lampe, sorti à la rencontre de l'époux. Et 5 d'entre elles étaient prudentes et 5 folles. Celles qui étaient folles, apprenant leur lampe, ne prirent pas d'huile avec elles. Mais les prudentes prirent de l'huile dans leur vaisseau avec leurs lampes. Et comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Mais au milieu de la nuit, midnight, il se fit un cri, voici l'époux sortait à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se levèrent et apprêtèrent leurs lampes. Et les folles dirent aux prudentes, donnez-nous de votre huile. But the wise ones were saying, not so, lest there be not enough for us and you. But go ye rather to them that sell and buy for yourselves. And while they went by, the bridegroom came. And they that were ready went in with him to the marriage. And the door was shut. Afterward came aussi also les autres the other virgins, disant, Seigneur, Seigneur, saying, Lord, Lord, open to us. Mais lui répondant, but he answered and said, dit, en vérité, verily, je vous dis, I say unto you, je ne vous I know pas. You not. Veillez donc, watch therefore, car for you know vous ne connaissez ni le jour, neither the day, ni l'heure, nor the hour. Et que dans nos têtes, let's bow our head. Just raise up our hand in his presence. Tu dis aimer un pécheur comme moi. Il a changé ma tristesse en joie. J'étais sans repos, il m'a ramené. Quel est ce merveilleux amour? Oh, quel merveilleux amour? Oh, quel merveilleux amour? Que tu aimes un pécheur tel que moi. Serviteurs qui sont ici, Seigneur,
tous les croyants, notre Dieu, Père, tous ceux qui sont connectés avec nous, ceux qui vont écouter ce message, Seigneur, que l'onction puisse suivre, Seigneur, et puisse la rendre, Seigneur, pour ta gloire. Béni puissamment, Seigneur, c'est tes réunions de ce matin, Père. Reçois la louange, la gloire et l'honneur dans le nom de Jésus-Christ. Nous te prions pour ta gloire. Amen. Nous sommes heureux ce matin d'être ici. Pendant que vous êtes assis. Amen. Chapter 4, the Bible says this. Verset 19. Verse 19. Mes enfants, pour l'enfantement desquels je travaille, de nouveau jusqu'à ce que Christ ait été formé en vous. Je peux recommencer. Again, mes enfants, pour l'enfantement desquels je travaille de nouveau jusqu'à ce que Christ ait été formé en vous. Amen. Amen. Dieu soit béni ce matin. Dieu bénisse tous. Nous saluons tous là où vous êtes. Amen. Dimanche prochain, nous aurons un message évangélique. C'est-à-dire que nous allons prier pour les malades et pour les pécheurs. Ce sera un message évangélique. An evangelic Amen. Message. Amen. Donc, chaque croyant peut every believer may invite tu invites ton collègue de travail et si tu vas à l'école, coworker, if you à l'université, at school, tu invites ton collègue et nous prierons pour eux et pour les malades. Dieu voulant, on pourra les But faire chaque fin du mois. Ce sera des messages évangéliques. Amen. Amen. Et cela peut toucher une âme comme dimanche passé ici, like il y a quelqu'un qui a été touché par le Saint-Esprit et qui a été baptisé directement hier. C'était le Seigneur. It was the Lord. Et quand les nouvelles âmes sont touchées ici, attached, Dieu likewise, est loué à jamais. God is Amen. Forever. Amen. Souvent, ceux qui viennent année après année s'habituent avec le Seigneur. Mais une nouvelle personne, il a faim, il a soif, quelque chose peut arriver directement dans sa vie. Le nom de Dieu soit béni. Ce que nous vous disons, c'est ce que vous devez faire. Je causais avec une sœur, la sœur Déborah, elle est à l'épée ici. Vous voyez, actuellement, certainement qu'ils sont entrés, elles sont en train de nous écouter. Elle a fait cela, elle a gagné une âme. Amen. Et elle n'est plus seule. Là, elle est avec une autre femme avec qui ils sont connectés. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Que Dieu soit béni. La sœur Déborah me disait, elle avait une nièce qui vivait avec elle. Et un jour, la nièce l'appelle. Elle dit, je dois quitter la maison rapidement, retourner. Elle dit, mais pourquoi? Il dit, je ne peux plus vivre ici. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, je suis venu ici avec une commission de te faire du mal. Je suis sorcière. Mais ce que je viens de voir ici à la maison, je ne peux plus rester ici. Je veux une lumière. Je ne peux plus. Je rentre. Amen. Et elle a déballé tout. Il dit, ils vont me tuer. Et elle est partie. Amen. Mais une leçon que nous tirons, c'est que c'est sa nièce. C'est comme quelqu'un au village va t'envoyer une soeur, une nièce, il faut l'élever. Et qui l'ont envoyé là, ils ont une mission dans leur tête. Mais toi, tu ne sais rien. Ils t'ont téléchargé simplement une servante depuis le village. Mais toi, tu ne connais pas quel est le but et la pensée de leur cœur. Ils t'ont envoyé une nièce pour que tu puisses l'élever. Tu puisses t'envoyer, ils t'ont envoyé un enfant pour que. Non, on te donne l'enfant là, c'est pour toi, élève-le. Mais tu ne sais pas quelle est la pensée qui est dans leur cœur. Et tu verras que non, si toi-même tu n'es pas forte spirituellement, rien ne marche dans ton foyer. Tu vas accuser n'importe qui, il y a un esprit qui est dans ta maison.
Mais on ne reçoit pas aussi n'importe qui chez toi. Ça, il faut le savoir. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Mais elle est une sœur. Elle aime Dieu. Et elle-même, la sorcière, a vu une lumière. Il dit, je ne peux plus vivre ici. Et elle est partie. Ça, c'est Dieu, n'est-ce pas? Gloire soit rendue à Dieu. Tu vis avec ta femme, avec tes enfants. Ce n'est pas bon, ça? Mais les gens viennent à la maison, tu peux les acquérir, ils peuvent partir aussi. Ce n'est pas méchant. C'est bon. Il faut gérer vos foyers correctement. Après, la personne dit que non, moi, rien ne marche dans ma vie, rien ne marche dans ma maison. Mais tu as un esprit à la maison. Si tu n'es pas spirituel, rien ne marchera avec toi. Quand vous croyez à la parole de Dieu, toutes les puissances démoniaques viendront pour te visiter. Rassure-toi. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Donc dimanche prochain, nous aurons un message purement évangélique. Donc chacun peut envoyer son collègue du travail. Même ton patron, tu peux l'inviter. Et vous ne croyez pas ça, hein? Si tu viens main vide, nous allons t'aider aussi à retourner main vide. Amen, frère Alexis. Oh, merveilleux. Nous prierons pour les malades. Et les malades seront guéris. Vous avez écouté les témoignages que les gens ont donné dimanche passé ici. C'était glorieux, n'est-ce pas? Amen. Et ce samedi, j'aurai une réunion spéciale avec les conducteurs des chants, avec le groupe musical, avec les techniciens, tous ceux qui travaillent dans les techniques. Nous aurons les réunions ici, une réunion ici, samedi à 16h00. Mais là, c'est aussi qui veulent chanter pour Dieu, que ce soit des hommes. On a des frères ici qui ne veulent pas chanter pour les seigneurs, n'est-ce pas? Et ou bien les sœurs, venez ensemble, nous allons causer. Et ceux qui veulent en fait chanter encore pour les seigneurs, venez encore ce samedi, nous allons parler beaucoup de choses en fait. Voyez, les conducteurs des chants, musiciens, techniciens, groupe musical, venez tous à 16h. Amen. À ce moment-là, nous allons voir si vous allez continuer à chanter pour ces mois-ci ou bien vous allez recommencer l'année prochaine. Amen. Maintenant, ceux qui veulent aller à la convention du Ghana peuvent répéter. L'année passée, ils ont dit que non, bon, tout le monde peut répéter. Bon, ça ne sert à rien. Ceux qui veulent aller à la convention peuvent répéter. Nous allons parler ça samedi, n'est-ce pas? Et d'autres, on peut leur donner un petit congé. Mais on donne aussi des congés, n'est-ce pas? C'est intéressant, ça. Oh, alléluia. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Vous aimez le Seigneur, n'est-ce pas? Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Travailler pour Dieu, c'est la chose la plus importante. N'est rien fait pour Jésus-Christ, c'est très compliqué et très difficile pour un être humain. J'ai un message ici ce matin, l'huile supplémentaire. Amen. Une inspiration parfaite par la souffrance. Amen. Vous pouvez retenir ceci. Pour tous les messages que nous apportons tous ces temps-ci, que vous les croyants et les prédicateurs puissiez avoir cette vision, qu'il y a, nous parlons de la nouvelle naissance, les temps d'épreuve et l'adoption. L'adoption est une promesse, mais la nouvelle naissance et les temps d'épreuve, c'est maintenant. Amen. L'adoption, il y a l'adoption spirituelle et l'adoption physique. Amen. Est-ce que vous le croyez? Mais c'est une promesse. Et une promesse, il faut la prêcher. Il faut la prêcher jusqu'à ce que cela se manifeste. Mais la nouvelle naissance, les temps d'épreuve, c'est là où tu dois entrer maintenant.
Amen. 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 Pour que tu sois né de nouveau, to be born again, il faut accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel et que la parole soit sémée dans ton cœur. Alors la même parole qui est sémée dans ton cœur va se transformer en puissance. Amen. Et c'est ce qui va te conduire dans ton endroit d'épreuve jusqu'à ce qu'un jour tu seras adopté. Et quand tu es adopté dans la maison du Père, alors viendra l'adoption physique, qui est la rédemption de ce corps. Il y a une résurrection spirituelle, il y a une résurrection physique. Il y a une adoption spirituelle, il y a une adoption physique. Mais l'adoption physique, lorsque les morts sont ressuscités, en un clin d'œil, vous serez changés en un clin d'œil aussi. Amen. Et nous aurons un réveil de 40 jours ou 30 jours. Et nous allons aller à la rencontre du Seigneur dans la gloire. Ça, ce sont des promesses, peu importe le temps que cela peut prendre, cela va se manifester. L'homme peut être prêté comme il peut être prêté, mais ceci s'accomplira. Dites amen quelqu'un. Alléluia. Mais l'adoption spirituelle est une promesse. Et Malachie 4 a connecté cela avec la persécution qui vient. Amen. Et cela aussi c'est une promesse. L'homme peut l'interpréter comme il veut, mais ceci s'accomplira. Amen. Los Angeles sera englouti. Peu importe comment quelqu'un peut dire c'est un engloutissement spirituel, c'est un menteur, ça va s'engloutir. Alléluia. Le système catholique fermera nos églises. Peu importe comment quelqu'un peut l'interpréter, cela va arriver. Mais à ce moment-là, Dieu va oindre une église avec une onction spéciale. Dites amen à quelqu'un. Et c'est là que nous sommes en train de croître pour y arriver. Oh, alléluia. Amen. Et si tu crois le message du temps de la fin, rassure-toi que Dieu doit te donner le Saint-Esprit. Voilà pourquoi Jésus a dit à Nicodème, tu dois naître de nouveau. Est-ce que vous le croyez? Amen. Que Dieu vous bénisse ce matin. Amen. Soyez simplement en esprit et suivez en esprit. Et amen. Que Dieu bénisse Frère Honoré là-bas. Pasteur, que Dieu te bénisse. Nous t'apprécions. Shalom à toi. Bro Jérémy, que Dieu te bénisse. Nous vous aimons et nous vous apprécions. Amen. Est-ce que vous croyez? Amen. Nous ne croyons pas au suivisme. Nous ne croyons pas à une révélation collective. Nous ne croyons pas à une révélation de groupe. Nous croyons que c'est une révélation individuelle de ce Dieu tout-puissant qui se révèle à un homme. Tu peux être ici jusqu'à ce que Dieu se révèle en toi. C'est à ce moment-là que tu vas naître dans le royaume de Dieu. Yes, sir. Amen. 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 Dans un premier temps, il y a une révélation collective. Les sept honneurs sont les sept voix des sept de l'église. Ça, c'est une révélation collective. Jusqu'à ce que cela soit ta révélation personnelle. Amen. Une révélation collective. Les sept honneurs sont révélés. Et chacun répète. Et même ceux qui ne comprennent pas, ils répètent. Mais jusqu'à ce que cela soit pour toi-même. Pouvez vous asseoir. Asseyez-vous, frère. Jusqu'à ce que cela soit pour toi-même. Asseyez-vous. Jusqu'à ce que cela soit une révélation personnelle. Alléluia. Une révélation collective. La page 304, c'est une révélation collective. Mais cela doit être une révélation personnelle. Et quand c'est une révélation personnelle, tu ne subis aucune influence. Jésus a dit, la chair et le sang ne t'ont pas révélé ceci, mais c'est mon Père qui te l'a révélé. Je vous asseoir. Alléluia. Alléluia. Jésus a dit à Nicodème, tu dois naître de nouveau. C'est personnel. Et tu es ici à l'église. Tu n'es pas né de nouveau. Tu ne comprends rien. Tu ne cherches même pas Dieu. Tu ne veux pas sanctifier ta vie par la parole. Alors tu es suivi. Tu suis quelqu'un en ce moment-là. Si c'est individuel, et regarde comment la personne se presse. Il cherche Dieu jusqu'à ce que cela soit une vie.
Peux vous asseoir. You may be seated. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Jusqu'à ce que cela soit une réalité pour toi. Là, tu sais qu'il y a quelque chose dans ma vie. Amen. Il y a un témoignage d'une sœur. La sœur dit, je ne suis plus ce que j'étais. Elle connaît sa vie passée. She knows his past life. Ce que je serai, je ne l'ai pas encore atteint. Mais quelque chose est passé dans ma vie. Ça, c'est son témoignage. Quel est ton témoignage à toi? Individuel. Individuel. Le livre de Hébreux, chapitre 11. Ce sont des témoignages des hommes qui ont vécu sur la terre. Je peux attendre un amen. Le livre des Hébreux, ce sont des femmes et des hommes qui ont vécu sur la terre. Dont chacun avait un témoignage. Quel est ton témoignage? Quel est ton témoignage? Tu vas écouter Abraham à rencontrer Elohim. Tu vas écouter Jétron. Tu vas écouter Jérémie. Tu vas écouter Ézéchiel. Chacun avait un témoignage. Et Paul dit, Hébreux 12, nous sommes environnés d'une nuée de témoins. Et le péché, ce n'est pas atteindre ce but-là. Le péché, ce n'est pas mentir, voler et autre. Ce n'est pas avoir une expérience dans ta vie pour être un témoin de la résurrection de Jésus-Christ. Vous pouvez vous asseoir. Regardez les 10 vierges ici de la Bible. Tous les deux, sages et folles, sont vierges. En d'autres termes, ce sont des hommes et des femmes purifiés, sanctifiés. Tous les deux groupes étaient purifiés, sanctifiés. Étaient des hommes saints. C'est pourquoi la Bible les appelle des vierges. Alléluia. Les deux groupes sont vierges, sont saints, purs, sanctifiés, purifiés, nettoyés. Cela nous ramène dans la Bible. Jésus dit ceci. Ceux qui croient en lui, il y a des gens qui ont la vie éternelle à l'indicatif présent et ceux qui auront la vie éternelle. Ceux qui auront la vie éternelle sont appelés des vierges folles. Ceux qui ont la vie éternelle, c'est l'épouse parole parlée pendant ce temps de l'église. Oh, alléluia. Mais si tu viens ici, je ne sais pas quel est le poids de ton cœur. C'est pour avoir la vie éternelle que tu as comme une expérience. Mais d'autres auront. Mais les autres ont. Et les vierges folles étaient au temps de Paul, au temps d'Irénée, de Colomba, de Martin, de Luther, de Wesley, de William de Branham. Alléluia. Pendant ce temps de l'église, au glory, même dans les âges des nations, il y a des vierges folles, il y a des vierges sages. Mais les vierges sages sont considérées comme la partie divine de Dieu sur la terre. Glory. Pour vous asseoir. Amen. Le Saint-Esprit, ce qu'il fait maintenant pour vous, il est en train d'attirer votre attention et de regarder ton cœur et ton âme pour voir ce qui se passe dans ton cœur et dans ton âme. Pour voir qu'est-ce que l'expérience a-tu pour être participant à cet enlèvement surnaturel. Tous sont vierges. Tous sont purs. C'est 10. 10 c'est une parabole. En réalité, ils ne sont pas 10. C'est une parabole. Malachie 4. Question réponse sur les sceaux. Malachie 4 déclare. Kabaraka Karande. Ok, comment je le comprends? Les 5 vierges, elles étaient 10. Vous savez qui sont sortis? C'est seulement un symbole ou une parabole. Donc je vais vous en parler. Vous voyez, ils étaient 10 évidemment. Elles étaient plus que 10. C'est juste les chiffres qui ont été donnés. Alléluia. Oh, glory. Ce sont des symboles. Amen. Des vierges qui sont sorties et il y a de l'huile dans leur lampe. Elles sont une partie de cette épouse. Si vous remarquez, que c'était les vierges de la dernière vieille, Jésus a dit qu'il y a 7 vierges. Première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième. Et c'est à la septième veille que c'était succédé.
il y avait eu sept veilles. Et à la septième veille, à minuit, comme c'est le cas pour nous, nous sommes là maintenant. Parce que ici, la Bible déclare qu'il y a quelqu'un qui a crié, voici l'époux. Allez, on se raconte. Mais la personne qui a crié, voici l'époux, allez, on se raconte, ce n'était pas la première veille. Non, pas à la deuxième. Non, pas la troisième. Parce qu'à la première veille, lorsque Paul a prêché l'évangile, il y avait des vierges sages, il y avait des vierges folles, et tous s'endormirent. Ils s'endormirent tous. Glory. Mais à la septième veille, la Bible déclare, voici l'époux. Allez à sa rencontre. Tous se réveillaient. Tous se réveillaient. Glory. Alléluia. Mais la question que tu dois te poser, parce que c'est une parabole. Et cette parabole, quand est-ce que cela va s'accomplir? Ça, c'est la question. Parce que Jésus l'a donné comme parabole. Quand est-ce que ceci va s'accomplir? Quelle est la réalité de cette parabole? Voilà, voici la réponse. Alléluia. Oh, glorie, voyez-vous. Donc, à cette veille de minuit, ces vierges se sont réveillées et ont mouché leurs lampes. Et elles sont entrées pendant que la Vierge endormit. Mais cette partie-ci, c'est cinq. Oh, glory. Et nous avons beaucoup de questions. Là aussi, j'ai ces 7000, vous voyez. La septième veille, il y a eu cinq qui se sont réveillés en ce moment-là et qui ont été enlevés. Qui sont entrés avec l'époux, avec l'épouse. Ça, ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura que cinq. En effet, ils se sont endormis tout au long des âges. Comme nous l'avons vu cette semaine. Amen. Amen. Du temps de Paul, du temps d'Irénée, de Colomba, et ainsi de suite. Paul, avec la parole de cet âge-là, des milliers se sont endormis dans cet âge-là. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est juste? Donc, le Saint-Esprit te parle. Amen. Ensuite, à la venue de l'âge suivant, à la période où l'Église est entrée dans l'âge des ténèbres, l'Esprit des bœufs est sorti. Le travail de la mer. Amen. Ensuite, l'âge suivant. L'âge de Luther. L'âge de réforme. Gloire soit rendue à Dieu. Est-ce que vous le croyez? Amen. C'est la raison pour laquelle. Oh my God. Il a fallu qu'un prophète prophétique descende. Il n'y a pas eu de messager pour cet âge. Parce que le Saint-Esprit est venu lui-même dans sa plénitude par le baptême. Glory. Je vous asseoir. Mais à la fin de l'âge, de la même façon que se sont terminés tous les autres là, nous voyons là que c'est là que le messager est envoyé. Et tous ces points obscurs, tous ces points en suspens, et bien il devait régler toutes ces choses et il les a déjà réglées. Toujours question de poursuivre les sauveurs, 73. Les vierges qui viennent ici, ce sont celles qui dorment. Et puis le corps entier est formé. Tous les groupes ensemble, ce sont elles qui vont former. Qui vont former les vierges sages, voyez. Les vierges folles sont qui ont commencé à l'époque là. Là-bas, en même temps que les vierges sages, l'Antichrist, ce sont, et voyez, ils essaient d'acheter de l'huile, voyez. Oh, glory. Amen. Oh, hallelujah. Amen. Est-ce que vous le croyez? Amen. Nous sommes arrivés à quelque chose. Question réponse numéro 2. Malachie 4, 176. Il dit, c'est la partie du corps qui est morte et la partie qui est vivante. Les cinq sages, les cris s'est fait attendre. Les cris s'est fait attendre. Dans la Bible, c'est une parabole. Et mais c'est une parabole dans la Bible que Jésus avait donnée. Mais les cris s'est fait attendre. Voici l'époux. Allez à sa rencontre. Allez à sa rencontre. Oh, alléluia. Amen. Tout s'apprêtait. S'est réveillé. Leurs lampes pour aller au souper de noces.
Glory. Alléluia. Amen. Est-ce que vous le croyez? Ils se sont tous réveillés. Mais quand est-ce que ce cri sera-t-il matérialisé? Attendons-nous que ce cri vienne, ou c'est déjà passé et vous ne le savez pas? Est-ce que ce cri, voici l'époux, viendra, ou c'est déjà passé et toi tu ne l'as pas entendu comme était la voix du Fils de l'homme? Les vierges folles disent, donnez-nous de votre huile, et les lampes se sont éteintes. Voyez-vous, donnez-nous de votre huile. Elle répondit, non, car nous en avons juste assez pour nous-mêmes. Allez en acheter. Et pendant qu'elles allaient acheter, l'époux arriva. Quand il y a l'annonce du décret, l'époux arrive. Quand est-ce que cela est-il arrivé? Est-ce que cela viendra? Est-ce que tu attends que l'époux vienne? Que les cris viennent? Bien, ce cri est déjà passé et tu ne l'as pas entendu comme étant le cri du Fils de l'homme. Oh, praise God, amen. Le pot arrive. La Bible déclare le Seigneur descend des cieux avec le cri, la voix, la trompette. Et ce Seigneur qui descend des cieux, il y a un messager sur la terre qui doit avertir les gens, qui doit parler aux gens. Voici les poux. L'annonce, le décret, l'époux arrive. Chacune voulait aussitôt se mettre en ordre, rapidement en ordre. Ne s'agit-il pas de cette heure? Ne s'agit-il pas de cette heure où l'écriture est sur la muraille? Ne s'agit-il pas de cette heure où ce décret, où cette annonce est en train d'être donnée? Voici l'époux. Allez, on s'en rend compte. Est-ce que ce n'est pas l'écriture qui est en train de s'accomplir? Est-ce que l'écriture n'est-il pas écrite sur le miracle? Est-ce que Dieu n'est pas en train d'accomplir sa prophétie? Et toi, tu ne l'as pas vu comme étant Dieu parle? Si tu l'avais su, comme étant Dieu t'a annoncé ce décret, ta vie doit être arrangée. Tu ne peux plus être distrait. Tu ne peux plus vivre comme tu veux. Parce que l'annonce a déjà été donnée. Voici l'époux. Allez, on s'en raconte. Est-ce que quelqu'un viendra annoncer cela? Ou bien c'est déjà annoncé? Parce qu'il y a cette vieille. Il y a premier Paul. Septième William Branham, Malachie 4, les prophètes de Dieu. Le septième ange de l'église. Ce septième étoile qui a sillonné le monde. Alléluia. Avec une annonce. Voici l'époux. Allez à sa rencontre. Alors à ce moment-là, les gens commencent à préparer les lampes. Voilà pourquoi le sept honneur, c'est le réveil de l'épouse. Le sept honneur rassemblera l'épouse. Le sept honneur montrera l'épouse comment se préparer. Le Saint-Honneur va vivifier cette épouse. Est-ce que c'est l'heure où les gens doivent mettre leur vie en ordre? Presque amen. Ça fait plus de 50 ans que ce prophète est venu sur la terre. Et les gens ne le savent pas que c'était une annonce. Des faux prophètes se lèvent. Oh, c'est moi le cri de minuit. C'est moi ceci. C'est des faux prophètes. Le véritable prophète de Dieu a crié. Voici l'époux. Voici l'époux. Allez, on s'en raconte. C'est des nuées de gloire qui est descendu en 1903. C'était l'époux.
Voyez-vous ses yeux? Voyez-vous sa nez? Voyez-vous ses oreilles? Alléluia, tournez cela à droite. Vous allez voir Christ, Jésus lui-même, qui descend des cieux. Le Seigneur de gloire, le Dieu du ciel, qui est descendu lui-même. Voici l'époux. Allez à sa rencontre. Là, les gens se sont réveillés. Que celui qui est sué se suit. Que celui qui aime les péchés continue dans les péchés. Que le saint se sanctifie. Que le saint s'abandonne à Dieu. Qu'il se purifie davantage. Qu'il soit consacré, abandonné au Seigneur. Parce que le temps est terminé. Le temps est le changement de temps. Le temps est le changement de temps. Ceci, c'est le temps où l'ange du sceau descend lui-même pour sceller, sceller, sceller. Pourquoi l'homme peut-il vivre comme il veut? C'est parce qu'il attend la chose demain, ne sachant pas que c'est déjà arrivé. Presque arrivé. Laisse-moi vous dire ceci ce matin. Lorsqu'il y a un match, les 90 minutes sont finies. Mais il y a un temps additionnel. C'est dans ce temps additionnel que toi tu vis. Mais le match est déjà terminé. Si tu penses que tu accordes des temps où tu vas te répartir, tu as menti. Le temps est terminé. Ce n'est pas d'attendre un message qui va te flatter, un message qui va te cajoler, un message qui va te flatter. Ça, c'est des faux prophètes. Mais ceci, c'est un message de te mettre en urgence. Que le temps est terminé. Vous asseyez. Amen. Amen. Oh, glory. Oh, gloire. Voyez-vous, quand ils sont venus, voici les poux aller à sa rencontre. Ils sont tous réveillés de travers de l'huile. Et ils avaient l'huile supplémentaire. Glory. Ils avaient l'huile. Amen. Il y avait quelque chose comme une expérience. Amen. Ici, nous ne prêchons pas simplement la nouvelle naissance. Non. Nous ne prêchons pas simplement soyez nés de nouveau. Non. Nous prêchons l'huile supplémentaire. Nous prêchons les sept vertus qui doivent être une réalité dans ta vie. Vous devez appliquer cela dans votre vie. Quelque chose que tu sais. Que ça y est à toi. That is in you. Comme une expérience vécue. As a glory. Amen. La personne peut penser. Même qu'il y a beaucoup de gens qui vivent longtemps sur la terre. Ce temps-là n'est pas, ce n'est pas ton, de ton programme. Tout est fini, frère. Le match est déjà terminé. Nous vivons dans le temps additionnel. C'est là que Dieu est en train de m'écouter. C'est un temps additionnel que Dieu t'a accordé. Une brèche t'a été ouverte pour que tu puisses y rentrer, pour que tu puisses croire à ce glorieux message et expérimenter Dieu dans ta vie. C'est une expérience personnelle vécue. Vous vous asseoir. Mais regarde, Dieu dévoilé. Malachi 184. L'heure du message du septième ange. Tous les mystères de Dieu qui seraient divulgués par cette Élie. À cette heure, my God, Christ, qui est mis à la porte de son église, il a été chassé par sa propre église. Les gens ne veulent pas de cet évangile à l'ancienne mode. L'église qui doit être mise en ordre. Et tous les derniers jours, sans credo, sans dénomination, seulement et strictement la parole vivant dans l'individu. Je prendrai un, je le serai un. Je prendrai celui-ci, je le serai celui-là.
Et quand Jésus le disait, c'était une parabole. Je veux prendre un, je vais laisser l'autre. Mais quand est-ce que cela va s'accomplir? Je vous dis, c'est maintenant. C'était une parabole. Mais maintenant, c'est la réalité. Il va prendre un, il va laisser l'autre. Il y a un qui est né dans le royaume, baptisé du Saint-Esprit, qui est en train de grandir dans la pyramide. Il y a l'autre qui dort, qui est en train de dormir dans, dans le plaisir du péché. Et il y a l'autre qui est en train de vivre l'enlèvement même. My God. Oh mon Dieu. Est-ce que quelqu'un le croit? Can somebody believe it? Il n'y a pas de tâche, pas de dénomination, no pas de servitude, ni rien. C'est le cœur attaché à Dieu et à Dieu seul. Dieu a pris un, il a laissé l'autre. Il y a l'autre don, il n'y a plus de dénomination, il n'y a plus d'attache, il n'y a plus de péché. Il n'y a rien de ces choses. Il est simplement pur devant Dieu. Il croit le Seigneur. Dieu l'a pris. Et l'autre est resté. Est-ce que c'est de l'injustice? Amen. Il est le maître du potier. Il choisit qui il veut. Mais la parole est lancée à tout le monde. Il y a l'autre qui va dire, je suis préoccupé par mes affaires. Je suis préoccupé par mes business. Je suis préoccupé par ma famille. Je suis préoccupé. Mais c'est une invitation qui est lancée à tout le monde. L'autre dira, je suis préoccupé avec le monde. Je n'ai pas encore fini avec les femmes. Je n'ai pas encore fini avec le péché. Mais l'autre dira, Seigneur, parle, ton serviteur t'écoute. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Je dis assez, c'est assez. L'autre dira, assez, c'est assez. J'en ai mal du monde. Parle-moi, Seigneur. L'autre dira, je n'ai pas encore fini. Je vais rester en Égypte. Je me contente de l'Égypte. Pharaon, c'est un bon gars. Non, c'est difficile. Je ne peux pas abandonner mon copain. Celui qui paye ma maison. Celui qui paye mes fournitures. Celui qui paye mon école. Mes parents le connaissent. Mais tu as reçu l'invitation quand même. Mais l'autre dira, copine ou pas copain, argent ou pas argent, je vais m'abandonner à lui. Il s'occupera de moi. Je regardais dans la Bible, il n'a jamais abandonné son cessé. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Dans cette église là j'ai un poste. On m'a nommé prédicateur. On m'a nommé diacre. Je ne peux pas laisser. Mais néanmoins tu as reçu l'invitation. Tu as été invité. Le message de cet honneur, c'est une invitation. Mais l'invitation, tu peux ou ne pas venir. Mais il y a certains qui diront, je vais à l'invitation. You may be seated. 185 Dieu de voilé. Remarquez, voilé dans une chair humaine. Comment Dieu a crié, frère? C'est ce que je suis en train d'interpréter par le message. Voici l'époux. C'est ce que je suis en train d'interpréter par le message. Comment l'époux a, comment un messager a dit, voici l'époux. C'est une invitation qui a été lancé à tout le monde. Et c'est l'invitation que nous sommes en train de lancer aux gens. Quelqu'un va dire, ça c'est un homme qui parle. L'autre dira, ça c'est Dieu qui me parle. L'autre dira, je ne crois pas tout ce qu'il dit. L'autre dira, je crois tout ce qu'il dit.
L'autre dira, ça c'est un homme. Quelqu'un lui a dit mes problèmes. L'autre dira, que quelqu'un le dise ou pas, c'est ma vie qui est en danger. C'est une invitation. Le message de cette donnée. Cher monsieur, chère madame, c'est une invitation. Tu peux déchirer l'invitation, mais quelqu'un peut dire, j'accepte l'invitation. Remarquez, vous allez dans une chair humaine. Moïse, avec cette parole, annonça ce qui plus tard serait mis derrière le pot de blaireau. Lorsque Moïse a parlé la parole, c'était Dieu dans la chair de Moïse. Parce que Moïse savait que plus tard, cette même parole sera voilée dans le pot de blaireau. Malachie 4 a parlé. Plus tard, la parole sera voilée dans des pots de blaireau, derrière ta peau, derrière ta peau. Et le monde saura qu'il y a un Dieu sur la terre. Mais Malachie 4 a parlé et la parole est voilée derrière des pots de blaireau, derrière une femme, derrière une femme, derrière un homme. Le monde passera, mais ce que Dieu a dit doit s'accomplir. Je suis religieux, je m'en fous de quiconque peut dire ce qu'il peut, mais j'ai le message du roi. Je savais rien. L'église des nations aussi a été aveuglé devant ce voile. Après qu'il a été déchiré et qu'il a laissé voir Dieu, le voile ecclésiastique. Comment ça? Parce que la parole a été voilée dans l'être humain de nouveau. Mais le voile aveugle les gens aux États-Unis. Le voile de Branham aveugle les gens. Le voile de Coleman aveugle les gens. Ici en Côte d'Ivoire, le voile d'Onanjeka aveugle les gens. Quelqu'un dira, non, c'est un homme. Je ne le crois pas. C'est un homme. Mais c'est le voile. Il doit aveugler. Mais pour certains, le voile est déchiré. Lorsque Jésus mourit au calvaire, le voile du temple était déchiré. Là où se trouvait le Saint des Saints, le voile était déchiré. Aujourd'hui, ton voile avec le certain, ils te voyaient comme autrefois, mais ils ne savent pas que Moïse a parlé. Mais après que Moïse a parlé, la parole, la gloire devait être caché derrière les pots de blaireau. Où est la gloire de Yahweh? Où est la gloire de l'Éternel aujourd'hui? Alléluia! C'est derrière une peau de chien. Un homme qui était dans le péché, que Dieu a lavé par son sang, qui devient un témoin, qui devient le jugement. Quand Jésus est venu, ce voile avec les pharisiens, avec les sadducéens, mais c'était le livre de la rédemption qui était voilé dans sa vie. Mais cela avec les pharisiens et les sadducéens. Et le même livre de la rédemption est descendu en 1963. Et cela a été incarné dans la vie d'un être humain. Et cela a aveuglé les gens.
et se voiler avec les gens. Mais Dieu soit loué. Moi j'ai ouvert. Je suis allé au-delà du voile. Et je vis la manne cachée. Je vis les pains de proposition. Je vis la manne cachée. J'ai pris cette manne. Alléluia. Je suis en train de me régaler dans ma propre vie. Je sais qui est cet homme. Pèse carrément. Alléluia. Mais c'est le cri qui est en train de retentir. Voici l'époux. Mais les gens entendent que cela va venir. Va demander à n'importe quel prédicateur dénominationnel. Il va te dire que ça va venir. Mais c'est déjà passé. Et tu ne le sais pas. Et tu ne le sais pas. Tu es aveugle. Mais il y a quelqu'un quelque part dont les yeux sont ouverts. J'ai entendu le cri du roi. Qui a appelé mon nom. Poussez à bout pour vous asseoir. 21. Et maintenant, le Saint-Esprit dans sa totalité visite l'église, faisant que Dieu soit dans une chair humaine. Ce n'est pas une portion du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit dans sa totalité. C'est la restauration de sa personne même. Voilé dans une chair humaine. Cela a été voilé dans Malachi 4. Comme il a été à Sodome. Sa destruction par le feu. Il est apparu à Abraham. C'était le Saint-Esprit dans sa totalité. Ce n'est pas une portion. Mais c'était tout le Saint-Esprit qui était voilé dans la chair humaine. La question que tu dois te poser, cela a été voilé dans Malachi 4. Comment cela doit être voilé à moi? Tu dois naître de nouveau et grandir dedans. De gloire en gloire. De puissance en puissance, de feu en feu, de gloire en gloire. Et tu sais que la chose est en train de croître. Tu sais qu'il y a quelque chose dans ta vie. Tu sais que la chair est en train de perdre certaines forces. Tout ce qui n'a pas été fait au cours des âges est en train de se faire maintenant. Et c'est cela. Voici l'époux. Allez à sa rencontre. Tous les mystères de cette sont révélés dans une chair humaine. Alléluia. C'est un cri qui est en train de retentir. Voici l'époux. Est-ce que vous voyez comment l'époux est en train de venir? Est-ce que vous voyez comment le cri est en train de retentir? Ce n'est pas un ivrogne. Ce n'est pas un ivrogne. Un soulard. Un impudique. Qui va dire que je suis le cri de minuit? Ça, c'est diable témoignage. Mais c'est une vie vécue. Et c'est sa vie vécue qui est un message du roi. Est-ce que je peux attendre un amen? Non, je n'entends pas un amen. Est-ce que tu as le message du roi? Oh, glory, glory. Praise God, amen. Shut. Yes, sir. Je vous asseoir. Poussez à bout. Les signes de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit au milieu de nous. Nous devrions avoir de la révérence avec cela. Envers cela. Amen. Mais une vie qui porte du fruit de l'esprit. C'est cette vie-là. Amen. Votre vie est très digne de l'évangile. Frère. Mais les vieux que sage dit. Nous, juste. Assez pour nous-mêmes. Allez auprès de ceux qui avant. Parce que le cri a retenti, voici les poissons à raconte. Les gens se sont tous réveillés. Il y a d'autres qui avaient de l'huile. Dans leur vaisseau, il y avait aussi de l'huile. Oh, alléluia. Dans leur lampe, il y avait de l'huile. Frère, il y avait de l'huile en abondance. Qui était là. Amen. Ils se sont tous réveillés. Depuis la première veille jusqu'au septième veille. Quel mystère.
C'est un glorieux mystère qui a été révélé par le septième ange. Et pendant qu'elle cherchait à rentrer, l'époux vint et emporta l'épouse. Et c'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Qu'à ce moment-là, depuis l'église catholique romaine, ils ont créé des mouvements de réveil qu'on appelle les renouveaux charismatiques. Vous partez chez les catholiques, vous partez chez les méthodistes à la recherche de l'huile. Depuis que le messager a crié, voici l'époux. Allez, on s'en raconte. Les gens sont conscients qu'ils n'ont pas d'huile. Et partout, ce sont des réveils, des groupes de prière, des réunions de prière. Ils vont gêner. Et après, la personne est toujours la même. Vous partez dans les renouveaux charismatiques. Ce sont des réveils. Parlez en langue, prophétie. Parlez en langue, prophétie. Mais c'est un impudique. C'est un soulard. C'est un adultérien. Dans les assemblées de Dieu, partout, pentecôtistes, les gens sont à la recherche du Saint-Esprit. Mais ils n'en auront pas. Avant que le Saint-Esprit ne vienne, Dieu envoie sa parole. Et l'Esprit de Dieu suit la parole. La parole de la restauration. Je suis heureux d'appartenir à ce groupe. Je suis heureux de faire partie de ce groupe. C'est le groupe de feu. C'est le groupe de tonnerre. C'est le groupe de la restauration de sa personne. Thank you, Jesus. Merci, Elohim. Qui suis-je? Grâce, grâce, grâce pour elle. Soit à la réveil, à la recherche plutôt du Saint-Esprit. Mais avant que Dieu n'envoie le Saint-Esprit, il envoie d'abord la parole. La parole est d'abord restaurée. Quelle parole? Jean chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Là, c'est Elohim avec le Logos. Et le Logos vient toi comme la mécanique. D'abord, cette parole, cette vertu, la divinité, la parole de Dieu, le Saint-Tonnerre, une restauration dans ton cœur. Alors Elohim revient comme la dynamique dans ta vie. Alors tu as l'huile en abondance. Les autres vont chercher de l'huile. Ils vont chercher de l'huile. Ils vont venir. Frère Paul, donne-moi de l'huile. Je n'ai pas de l'huile à te donner. J'en ai pour moi-même. Va prier. Va gêner. Continue de gêner. Tu n'auras rien. Mais l'épouse a la puissance de la résurrection. Merci Elohim Dieu. Voilà pourquoi je peux crier, je peux sauter, je peux danser. Personne ne peut m'arrêter. Partout dans le monde entier, vous voyez des groupes de réveil. C'est la recherche du Saint-Esprit.
Et en même temps, moi, les archibishops et les bishops font du commerce. Il y a l'argent à donner même pour prier. Et des business, mais des maisons où il y a des maisons à louer pour venir prier pendant des jours. Tout ça, c'est à la recherche de l'huile. Mais ils n'en auront pas. Oh, alléluia, alléluia. Béni soit Dieu. Là où se trouve de l'huile aujourd'hui, c'est dans ce message de cette sauce Saint-Tonnerre. Tu ne fais aucun effort. Tu t'assois simplement. Et maintenant, le prédicateur sème la parole dans ton cœur. Tu dis amen. Oh, glory. La Bible déclare un homme a semé la semence. Qu'il veille, qu'il dorme, qu'il ne dorme pas, la semence sortira. Autant le prédicateur n'a pas accompli sa mission, tu ne connais pas les Écritures. Un homme a semé la semence. Tu n'étais pas là comme Malachi 4 prêchait, mais tu étais dans le livre de vie de l'agneau. Alléluia. Hey! Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Que tu veilles, que tu ne veilles pas, la semence sortira. Si c'est la vraie semence qui est semée dans ton cœur, alléluia, il y a quelque chose qui va, il y a une puissance dans la semence. Un cri par le canal d'un ministère. Et le cri retentit, voici l'époux. Allez, ça raconte. Et par le canal d'un ministère, Dieu a des hommes prédestinés pour écouter cet homme. Et quand cet homme parle, amen, quelque chose en eux se réveille. De puissance en puissance, de vie en vie. Et alors, c'est le messager du roi. Amen, qui dit à toi, à son peuple. L'époux est là. Il commence maintenant à se préparer. Et maintenant, cette donnée prépare l'épouse. Montre à l'épouse comment se préparer. Yes, sir. Oui, monsieur. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Amen. Glory. Gloire. Yes, sir. Oui, monsieur. Frère. Brethren. Christ est le mystère de Dieu révélé. Christ is the mystery of God revealed. 303, Malachi 4. Mais exactement sur la révélation de Jésus-Christ à travers la nouvelle naissance. C'est là-dedans qu'il naît et qu'il injecte sa propre vie. Et votre vie disparaît. Et la vie de Christ est jaillie elle-même de vous. Et il y a la prééminence vers les gens pour lesquels voient cette véritable vie, accompagnée des œuvres, de signes et des prodiges qu'il fit. C'est la même chose au travers de vous. C'est la vie de Christ. Amen. Qui jaillit au travers de toi. Et toi-même, tu es mort. Tu es mort cette fois. Et tu es ressuscité. Et c'est sa propre vie qui jaillit en toi. Amen, frère. Noce de l'agneau, Malachi 4. Elle est l'église du Seigneur Jésus-Christ. Je ne veux pas dire que c'est par les noms. Je veux dire que c'est par la naissance. Par la nature, par la puissance de Dieu, par la vérité de Dieu révélée dans les cœurs, qu'elle devient une église chrétienne, la glorieuse église chrétienne universelle et apostolique. Et amen, Christ injecte en elle son propre esprit, sa propre vie. Et la Bible a dit là-bas, Adam et Ève, vous n'êtes plus deux. You are number two, mais vous êtes un. Parce que si tu dis que le même esprit qui était en Christ est en toi, which was in Christ is in you.
Nous retournerons dans la Bible pour voir comment l'Esprit de Christ était en Jésus et comment il est en toi, si c'est la même chose. Yes, sir. C'est la même vie qu'il injecte en toi. Yes, sir. Amen. 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 Il y a beaucoup de divisions parmi nous parce que les gens manquent cette révélation. C'est par manque de cette révélation qu'il y a beaucoup de divisions parmi nous. De la vie propre de Dieu qui s'injecte en toi. La parole produit sa propre vie. Amen. Le signe des 124. Mais laissez le signe lui-même être là. La personne de Jésus-Christ, sa propre vie en vous. Amen. L'influence. Amen. Influence. 1063, 23. Mais c'est pourquoi le Saint-Esprit est une nécessité impériale, impérieuse dans cet âge. Parce que c'est lui qui mène votre vie. Vous ne menez pas votre vie de vous-même, mais c'est sa vie en lui, en toi. À ce moment-là, il détruit en toi tout ce qui est faux. La colère, l'animosité, tout ce tempérament colérique, il enlève. C'est Christ en vous. Après que vous ayez donc reçu le baptême du Saint-Esprit, et tout ce tempérament colérique quitte votre vie. Il détruit en toi tout ce qui n'est pas lui. Et c'est sa vie, sa nature qui prend forme en toi. Reconnaissez votre jour et votre message. 138. Jésus était cette promesse de l'Écriture confirmée à cette femme. Où était l'interprétation? Jésus était l'interprétation de l'Écriture. Ok, voici la chose maintenant. Sa propre vie interprétait l'Écriture. C'est la vie de Jésus à toi qui interprète le message. C'est sa vie qui interprète le Saint-Honneur, qui interprète la venue du Seigneur. Quelqu'un peut prendre la brochure. Jésus est venu. Mais regardez son tempérament. Jésus est venu. Regardez-le avec une méchanceté féroce. Les Saint-Honneurs sont révélés. Regardez-le avec une amertume. Comment même il peut tuer quelqu'un? Ça, ce n'est pas les Saint-Honneurs. Mais c'est la vie de Christ en toi qui interprète ce message. La révélation deviendra la manifestation. Les cris des commandements deviendront la voix de la résurrection, la voix de l'archange. Et la voix de l'archange deviendra la voix de la résurrection. C'est une continuité de la sémence qui est en toi, qui est en train de croître vers la perfection du Fils de l'homme. Pour vous asseoir. L'identification. Frère, ne voyez-vous pas le message de l'heure? Pouvez-vous reconnaître où en sommes-nous? Est-ce que vous voyez le message de l'heure? Le message de l'heure, c'est sa vie en toi. Le Saint-Honneur, c'est sa vie en toi. Et quand sa vie vient en toi, il détruit tout ce qui n'est pas lui. Amen. Vous mourrez en vous-même. L'esprit du mensonge te quitte. L'esprit du vol te quitte.
Ce sont des démons. Et quand lui vient, il démolit chaque. Jésus n'a-t-il pas dit, peut-on coudre un habit, un nouvel habit, avec un ancien? Can we sew a new cloth with an old? Et quand lui vient, when he comes, tout ce qui est faux sort. Everything that is false leaves you. Tout ce tempérament, all this bad temper, il détruit ses esprits dans ta vie au fil et à mesure. Jusqu'à ce que tu puisses dire, la parole est réellement faite chair à moi. Et quand la parole est faite chair, c'est la page 304 du livre de Sceaux qui se manifeste dans ta vie. La révélation devient la manifestation. La révélation de cette donnée devient la manifestation de cette donnée. Oh my God. Oh mon Dieu. L'identification. Paragraphe 60, Malachika. Si vous trouvez votre place en tant que chrétien, car votre caractère est modélé d'après celui de Christ, vous êtes Zoé, de même qu'il était Zoé. Vous êtes invité à venir prendre son caractère en ayant son caractère en vous. Cela vous modèle pour avoir la même pensée que celui qu'il avait. Et sa pensée était toujours de faire ce que le Père lui montrait. C'est une vie, son caractère en toi. Sa vie. Son être. Le caractère de Christ. My God. Mon Dieu. Époux du Seigneur. Bride of the Lord. Alors, voyez, Dieu est descendu. Et le caractère de Dieu, c'était Christ. Was Christ. Le caractère de Dieu était Christ. Alors Moïse était Christ, was Christ à son temps. In his day. Jérémie était Christ à son temps. Christ. Et vous êtes Christ à votre temps. In your day. Parce que c'est son caractère. It is his own character. Frère, brethren, au commencement était la parole. The beginning was the word. Avant le commencement, c'était Ela Elohim. Et ses pensées deviennent tangibles. Dieu devient tangible. On peut le toucher quelque part. Mais quand tu déchires le voile, tu verras Dieu. You're gonna see God. La parole promise pour cet âge doit être voilée. Must be veiled. Messieurs, et c'est l'heure où les sept honneurs qui ont été parlés par Malachika et qui est dans toi comme une révélation sont en train de se transformer en vie. Si c'est le cas, est-ce que l'écriture n'est-il pas sur le miracle? Messieurs, cela. Sir, it is the time. Je suis membre dans ton tabernacle. Ce que je prêche maintenant, c'est au-delà. Je suis dans le message. Ce que je prêche, c'est au-delà. Je prêche le message, c'est quoi? C'est sa propre vie. Ce n'est pas ta vie. Ce n'est pas ta vie. Mais tu n'es qu'un porteur de lui, sa vie. Et quand cette vie vient en toi, tu deviens participant de sa vie. Héritier. Co-héritier. Oh my God. Pouvez vous asseoir. Frère, voyez-vous. Alors à la fin, tout ça se rejoint. À la fin, tout se rejoint. Quand Paul parlait, c'était des prophéties. Mais quand moi je parle, c'est une réalité. À la fin, tout se rejoint. À la fin, vous connaîtrez qui est
est Dieu, sa nature, son être et où il vit. Dieu devient tangible. Dieu en Christ, tangible, fait chair, habité parmi nous. Et dans les glorieux millénium à venir, c'est Dieu sous forme de Christ, assis sur le trône de David. Et l'Église et son épouse, le mari et la femme ensemble, dans les glorieux millénium. Mais maintenant, ici à Côte d'Ivoire, je transporte cette tête. Est-ce que c'est ton témoignage, sœur? C'est ton témoignage. C'est ton témoignage. Est-ce que quelqu'un peut me donner un témoignage? Écoute frère, listen, la parole parlée est la semence originaire de personne nouvelle. 441. Le second percusseur, le premier percusseur de sa première venue, il a dit, il s'est écrié dans le désert, il s'est écrié, a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais le second percusseur, my God, fera probablement la même chose à dirigeant les gens vers une épouse née de nouveau. Dieu ne te dirige pas vers une église, il te dirige vers une épouse née de nouveau. Dieu te dirige. Alléluia. Dieu a dirigé Paul vers une épouse née de nouveau, Ananias. Dieu a dirigé l'unique Éthiopien vers une épouse née de nouveau, Philippe. Si Dieu t'aime, si Dieu t'aime, il va te diriger vers une épouse née de nouveau ici en Côte d'Ivoire. Que les racheteurs disent amen. Que les racheteurs disent amen. Que les racheteurs disent amen. Je n'entends pas un amen. Que les racheteurs disent amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Si Dieu t'aime, il va te diriger vers une épouse. C'est ça la venue du Seigneur. C'est ça la venue du Seigneur. Il descend des cieux avec le cri, la voix de la trompette. Ça doit faire crier un baptiste, frère. Tu peux commencer à recevoir le Saint-Esprit pendant que je suis en train de prononcer ces paroles. Si tu peux avoir un songe, tu peux avoir un rêve, tu peux avoir une vision, la seule vision que Dieu te donnera, c'est de te conduire vers une épouse née de nouveau. Et tu vas t'asseoir à ses pieds. Il va s'aimer la sémence, cet honneur. Et alors, ton songe, ta vision deviendra une réalité. Tu es dans l'épouse à ce moment-là. L'époux et l'épouse disent. L'esprit et l'épouse disent. Viens! Viens!
Viens, l'Esprit du Seigneur est sur moi pour déclarer, te déclarer que tu es libre, que tu es affranchi. Aucun démon ne peut se tenir devant toi au nom de Jésus. Je ne comprends pas ces versets de la Bible. Je ne comprends pas ces quotations de Malachi 4. Je ne comprends pas cet événement. Si tu aimes Dieu dans ton cœur, Dieu te dirigera vers une épouse née de nouveau. Il a une compréhension des Écritures. Il va te dire, voici, 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 voici. Et il y aura une explosion dans ta vie. Est-ce que quelqu'un peut dire Hosanna? Non, je n'entends pas. Le temps est arrivé où tout ce qui est en toi doit louer l'Éternel. Tes pieds, tes mains, ta bouche doit adorer l'Éternel. Et la sémence, cette honneur qui est dans ton cœur va jaillir vers l'extérieur. L'autorité de Dieu est ici. Right now, here. Vous asseoir. J'ai bientôt fini. Yes, sir. Frère. Glory. My God. Est-ce que vous êtes de l'église? 81. Regardez, c'est pendant le chandelier. Et non seulement en or, mais elle est en or battu. Quand vous partez au champ, là où les gens créent de l'or. Il y a tout autour des salités qui doivent enlever. Tapez, tapez, tapez jusqu'à ce que l'or reflète ce qui doit refléter. Et il a fait un or battu, conformément au plan que l'Esprit a donné pour elle. En d'autres, à part son Seigneur, le Maître Jésus-Christ, a jamais été battu et périgé autant que l'épouse de Jésus-Christ. En Syrie, elle achève les souffrances que Christ avait laissées. Ses biens sont spoliés. Sa vie est en danger. Elle est considérée comme le bébé destiné à la boucherie. Elle est mise à mort à longueur de la journée. Elle souffre beaucoup, mais ne se venge pas. Pas plus que ne fait souffrir les autres. Lui ne peut pas faire souffrir les autres. C'est les autres qui le font souffrir. Cette tendre épouse de Christ est digne de l'évangile. Et comme l'or est malléable, au contraire de l'erreur qui se brise si on les bat. Cet or de Dieu supportera les souffrances qu'elle endure pour le Seigneur. Les épreuves et les tests de cette vie n'ont pas pour but de la courber, de la briser ou de la détruire, mais de la former pour être beauté et joie pour toujours. Est-ce que quelqu'un peut crier amen? C'est de l'or battu qu'on secoue de toutes parts. On maltraite, on insulte, on injurie, on fait souffrir. Mais lui ne fait pas souffrir quelqu'un.
Dans sa bouche ne sort pas, je te maudis. I curse you. On peut mentir sur lui. You may lie on. On peut dire de fausses choses pour lui. You may say false. Mais la personne qui le fait cherche une gloire terrestre. Mais toi tu cherches une gloire céleste. You are looking for another. Mais c'est de l'or qui doit être battu. But it is gold. Souffrance. Nous avons vu son étoile en Orient. Et nous sommes venus pour l'adorer. 111, voilà Chicat. Il en est de même pour Galates 1. L'apôtre Paul dit quoi? Quand Christ, l'espérance de la gloire, est formé en vous, Christ se forme en vous. Vous en êtes en train de mourir. Et Christ vient à la vie. Voyez les persécutions commencer. Quand Christ commence à se former en toi. Regardez, tous les démons de l'enfer font une réunion quelque part. Tu seras persécuté par ta femme, par ton mari, par tes enfants, par ton père, par ta mère, par tes frères, par tes soeurs, par des gens qui sont même avec toi, dans la même congrégation. Du haut de l'échelle, ils vont dire de fausses choses concernant. Dans des chaînes, dans des chaînes internationales, dans des conventions. Ils peuvent mentir sur toi. Mais tu ne réponds même pas. Ils peuvent même te dire que tu crois des fausses choses. Comment dire que l'arbre est mauvais et que les fruits sont bons? Et les fruits, ce sont des brebis que vous louez. Et nous-mêmes, nous sommes des démons, nous avons des fausses doctrines. Cela est contraire aux Écritures. Parce que si les fruits sont bons, c'est que l'arbre est bon. Est-ce que tu peux crier amen? Est-ce que tu peux crier Hosanna? Yes, sir. Quand Christ se forme dans ton cœur, jeune frère, quand tu prends la vertu pour la puissance, tu rentres dans ton endroit d'épreuve. Regardez les choses mauvaises se passer dans ta vie. Pour que tu puisses être tempérant, avoir de la patience, avoir de la piété. Tu peux même prier Dieu pour qu'il te donne du boulot. Tu as même ton espoir dedans et aujourd'hui tu n'as pas de boulot. Quelle sera la réaction de ta foi? C'est un test que tu viens de passer. Tu pries pour que tu puisses avoir du boulot, pour que tu puisses avoir ceci, mais tu ne reçois pas. On t'a promis, il n'y a rien. Est-ce que tu es toujours joyeux ou tu deviens triste? C'est l'or battu, éprouvé, pour que le Père lui-même regarde. Il dit, je me vois à cet homme, je me vois à cette femme. Il est comme moi, il est comme moi. Je vais l'élever dans la gloire, avec une autorité, avec une puissance. Est-ce que quelqu'un peut dire Hosanna? Je n'entends pas un amen. Frère, sœur, quand Christ s'est formé à Marie, qu'est-ce qu'Hérode a fait? Quand Christ s'est formé à Marie, Hérode a convoqué toute son armée. C'était une persécution. Si Christ s'est formé en toi, parce que tu es né dans le royaume. Mais il faut maintenant les vertus qui doivent être appliquées. It takes the virtue to be applied. Et alors regardez tout l'enfer. And then look at the whole hell. Des fois, il y a un cancer qui ronge ton corps. You are eaten up by cancer. Tu as prié Dieu sans solution. Oh, you pray God without. Des serviteurs de Dieu ont imposé les mains.
aucune solution. C'est alors que tu dois t'asseoir calme pour dire, Seigneur, tu es en train de me faire passer dans mon test, dans mon endroit de prêt. La gloire de la Shekinah doit se mouvoir dans ta vie, mais pas les épreuves. My God. Mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Ça fait longtemps que le bébé se forme dans les seins. Mais ces derniers jours là où la plénitude, la plénitude de la divinité, où la plénitude de Christ doit être manifestée parmi son peuple, il a dit, il a promis dans sa parole qu'à cette plénitude des choses inhabituelles qu'il a promises et qui commencent à arriver. C'est pourquoi la haute classe et les autres ne peuvent pas comprendre cela. Pour eux c'est de la folie. Et bien observez, ils sont en train de former un conseil des églises. Mais à ce moment-là, la parole est née. Et la parole est dans les douleurs. Il y a la douleur. C'est une douleur de croissance. Frère, dans Shalom 180, lorsque quelqu'un se met à se moquer de vous, disant qu'il est démodé, regardez comment tu as commencé à devenir. Tu ne coupes plus tes cheveux. Tu ne t'habilles plus comme eux. You do not dress. Regarde. Like them. Regardez-les. Look at him. Je vous assure, autrefois, il était ceci. He was this. Très bien, souvenez-vous simplement. Ce sont des douleurs de croissance. C'est que la persécution vous profite. Le profit de la persécution, ce sont des douleurs de croissance. Un prédicateur est venu vers Frère Branham. Frère Branham, prie pour moi. Pour que je puisse avoir de la puissance. Il dit, prions le Seigneur. Il dit, Seigneur Dieu, envoie de dures épreuves dans la vie de cet homme. Il dit, ce n'est pas ce que j'ai demandé. Ce sont ces dures épreuves qui vont manifester cette puissance. Glory. Oh mon Dieu, gloire. Il permet de croiser des purifications et des jonctions. Il fait toujours cela pour nous perfectionner pour son service. Il permet que ces choses arrivent. Ne pouvez-vous pas comprendre cela? Il fait cela en fait de pouvoir vous perfectionner en vue de l'appel qu'il vous a adressé. Ce sont vos douleurs de croissance. Il a fait comme cela pour Daniel. Ce sont des douleurs de croissance, des critiques et des calomnies, la haine. Quelqu'un parle mal de toi. Il faut parler, il faut l'aimer. Ce sont des douleurs de croissance. Frère, parfois il faut des épreuves pour que nous soyons libérés des liens du monde, vous faire sortir du monde. Amen. Amen. Épître aux Éphésiens est comparable au livre de Josué. C'est quand Dieu a placé certaines personnes dans l'église au travers de douleurs de l'enfantement, et parfois elles deviennent intenses. Une église est gémie sous la persécution du monde extérieur. Qu'elle croit au Seigneur Jésus-Christ et qu'elle croit que la promesse du Saint-Esprit est tout aussi réelle pour nous qu'il était pour la Pentecôte. Comme elle gémit et pleure sous la douleur de l'enfantement. Mais lorsque les gens sont nés et qu'ils occupent leur position dans le royaume de Dieu par la naissance, alors le Saint-Esprit va placer dans l'église. C'était après cette douleur qu'il y aura le placement. Les douleurs de croissance, les épreuves les plus difficiles dans ta vie. Vous avez besoin de la puissance pour y entrer. À la chicane de la session de l'armée épouse, j'ai bientôt fini. La persécution secoue les chrétiens pour l'amener
à prier davantage. Regarde lorsque tu es constamment malade, comment tu pries beaucoup. Lorsque tu as assez de problèmes, comment tu pries beaucoup. C'est ce que Dieu a fait pour toi. Et il continuera de le faire. Il vous bénira davantage. Frère, toute cette division dans cette épouse, viens à ce message plutôt. C'est la persécution qui vient bientôt. Pas les ennemis. D'une manière ou d'une autre. Car Dieu l'a dit. Dieu l'accomplira. Amen. Et voici ma dernière chose pour ce matin. Amen. Laissez échapper la pression. Malachie 4 dit, bref 30. Il dit, oh my God, je lis quelque chose qui a été remodelé, régénéré, et devenu une nouvelle créature. Il peut alors supporter la pression et la persécution. De la persécution, c'est ce qui accompagne la vie spirituelle. La vie spirituelle est accompagnée de ces choses-là. Il veut que vous soyez en fait, vous soyez fait et bâti pour supporter la pression. Une chose peut le faire. C'est lorsque vous entrez dans la maison de moulage de Dieu et que vous êtes mis en pièce et refait en tant qu'une nouvelle créature en Jésus-Christ. Taillé, modelé, taillé. Il est sous une seule tête. Regarde en scène, musicien. Quelque chose venait de parler à mon cœur à 10 ans. Tenons-nous debout. Ne crains pas prédicateur. Do not fear preacher. Ils seront un l'un de ces jours. One of these days. Ils croiront. They will believe. Il se peut qu'il faille la persécution. They may fail in persecution. En d'autres choses, pour nous amener à nous unir. Mais Dieu amènera son église à s'unir sous une telle autorité. Sous une seule autorité. Christ, aussi sûr que je me tiens à cette chair, Christ sera la tête. Aucune dénomination ne sera la tête. C'est Christ qui sera la tête de chaque croyant. Alléluia. N'ayez pas peur d'Alléluia. Alléluia signifie que notre Dieu soit loué. Il est digne de louange que nous pouvons lui adresser. Aussi sûr que je me tiens du haut de cette chair. Christ sera la tête de chaque individu. Malachie 4 a parlé. Quelque chose a parlé dans son cœur. Ne t'inquiète pas, prédicateur. Do not worry, preacher. Et il déclare said, aussi sûr que je me tiens du haut de cette chair. Christ sera la tête will be the head de chaque individu. Of every individual. Alors une âme crie Alléluia. Hallelujah. En d'autres termes, Dieu soit loué. C'était une prophétie. Et toi, tu dois l'expérimenter. Ce n'est pas frère Paul. Paul Onanjeka. Qui sera la tête who shall be the head dans ton cœur. Non. No. Mais Christ sera la tête will be the head de chacun de vous. Of each one of aussi you sûr que je me tiens du haut de cette chair. Qui le croit? Who believe it? Qui le croit? Qui le croit? Christ sera la tête will be the head de ta vie, of your life, dans ta vie, in your life, dans ton être, within your dans being, tout ce que tu es. In all Christ, le Logos, Elohim, Michael, sera la tête. Will be the head. Alléluia. Hallelujah. Il se lèvera dans ce dernier jour. Michael, Michael, le chef de l'armée,
Il sera la tête de cette église. Il sera la tête de ta vie. Tu n'auras plus d'échecs. Tu n'auras plus de problèmes. Peu importe les épreuves, tu vas t'en sortir. Tu seras victorieux. L'un de ces jours, vous connaîtrez que je suis dans le Père, que le Père est à moi, que je suis en vous, que vous êtes en moi. Quel jour? C'est ce jour-ci où la gloire de Dieu va éclater, va éclater, va éclater, va éclater, va éclater, va éclater dans ta vie, dans ton être, dans ta vie, dans ta vie. Est-ce que quelqu'un le croit? Si tu le crois, lève ta main. Sauvement, pendant que Dieu est en train de chanter ce chant.
l'acte de victoire. The sign of victory. Bénissons ton nom. Blessed be your name, Lord. Merci pour ta parole. Thank you for your word. Merci pour ton esprit. Thank you for your spirit. Merci pour lui. Thank you for. Bénissons. Blessed be your holy name. Nous avons été riches. He was richly blessed. Bless your servant. Bless. Bless this family. Bless this your people. Anoint them. And keep us in the fire. In you. Que nous puissions réaliser. And you realize que c'est notre vie. That it is the living. Life and the book message. Soit avec chacun. Be with everyone of us. Heart. Give us the rest to your people, your servant. And c'est tout temps. Est-ce que nous puissions retourner? If you wait, let the Seigneur come back and the disbelievers. Soit l'honneur. Receive the honor, the glory, and the praise in the name of Jesus Christ. Amen.